allez bien. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle fout là? La vérité, c'est que je sais pas trop non plus. Ça fait à peu près, je dirais, 6-8 mois que je me pose des questions sur ce que je veux être, sur ce que je veux faire, de manière perso, de manière pro. Si vous me suivez sur Insta, vous avez peut-être vu que j'avais vraiment coupé les contenus. Et évidemment, cette fameuse chaîne YouTube que j'ai complètement laissée à l'abandon. J'avais besoin de retrouver un lien avec vous. Parce que la façon dont je communique jusqu'à présent sur Instagram, etc., me convient pas. J'ai l'impression que c'est très distant, que c'est très froid. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo sans aucune promesse, mais faire une vidéo pour moi et surtout reprendre du plaisir créatif. Pour éviter que ça fasse trop confessionnal, je vais faire ma petite routine beauté, soin en même temps. Je vais vous mentionner les produits, mais vous les aurez de toute façon dans la description. À l'ancienne. Ça, c'est une brume de chez Hulé pour le visage. Je me disais qu'il était temps de réessayer, mais vraiment j'ai l'impression de faire des petits pas pour réapprendre à faire ce que je faisais naturellement il y a des années, qui est filmer. Il y a un monsieur à côté qui a vu un pigeon, désolé, c'est trop drôle. Il lui parle. Je sais pas si on peut l'entendre à travers la caméra. Il est sur le rebord de la fenêtre et il est en train de parler au pigeon. Je vais mettre un contour des yeux, je vais mettre celui de chez Patika. Le sérum que j'ai mis, c'était le C Bright de Hulé aussi, que j'aime beaucoup. Je vais mettre un fluide SPF, c'est suffisant parce qu'il est assez riche celui-ci. Et comme j'ai mis un sérum avant, ça ira. Ça c'est celui de chez Caudalie. Voilà globalement le contexte et le mood dans lequel je suis. Ce que je vous propose, c'est je termine de me préparer et je vais faire une petite marche au parc, dans mon parc préféré. Vanilla latte, s'il vous plaît. Cet après-midi, objectif rangement, je vais m'attaquer à cette chose qui est mon dressing. J'ai un petit placard dans ma chambre qui est du coup partagé avec mon compagnon. Lui, il a ses vêtements ici et moi j'ai mes vêtements sur cette partie-là. Et j'ai que cette partie en fait ici à exploiter. Sur la hauteur pour pouvoir mettre tous mes vêtements, ce qui parfois me pose quelques petits problèmes de place. Et du coup ce que je fais, c'est que j'ai des boîtes que je mets sous le lit. J'imagine qu'on est pas mal à faire ça, mais du coup j'ai une boîte hiver, une boîte été. J'ai que sous les yeux ici en principe les trucs actuels de la saison que j'aime porter, et quand la saison arrive, à chaque fois je remonte la boîte du lit, j'ajoute les pièces de la saison en question, j'enlève les autres, etc. Là je ne l'ai pas encore fait et clairement la saison a déjà bien commencé. Je vais vous montrer comment est composé le dressing actuellement. En haut j'ai tous les vêtements que j'aime bien porter et ils sont tous sur cintre, même les pantalons, même les jupes. Là c'est clairement le bazar et c'est pas trié. Les cintres sont trop cool, c'est des cintres en velours, tu sais, chez Amazon, enfin sur Amazon. Et c'est vachement bien parce que comme ils sont en velours, les vêtements ne glissent pas si vous avez des petits tops en soie, etc. Ça tient super bien et j'aime bien le fait qu'ils soient tous homogènes. Tous ces vêtements là, j'ai ma boîte à bijoux et elle est assez pratique, il y a plein de rangements, c'est une passion. Et ça me permet aussi de voir davantage les pièces que j'ai et juste d'avoir envie de les porter aussi davantage. Derrière il y a mes sacs à main. Les lunettes de soleil sont en principe à droite, mais j'en ai qu'une paire, je sais pas où j'ai foutu les autres, c'est pas grave. Mes parfums sont ici sur la droite parce que je trouve ça plus pratique que de les avoir dans la salle de bain, comme c'est quelque chose que je mets souvent par-dessus les vêtements. Je le laisse ici dans mon dressing. Vêtements plus chauds, avec derrière les fringues que j'appelle mes fringues un peu moches, mes fringues tout terrain pour aller marcher, etc., qui sont pas hyper jolies. Les chaussures qui sont là actuellement pas de saison, avec ces magnifiques sandales que je kiffe absolument, qui viennent de chez Massimo Dutti et qui nécessitent d'ailleurs d'être nettoyées. Voilà un petit peu du coup l'étendue des dégâts. Il faut que je fasse le tri là-dedans, que ça ait un peu plus de cohérence et surtout que ce soit plus de saison. Thank you.
évidemment, j'ai des choses jusqu'ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Des vieilles baskets. Les sandales, ça m'intéresse pas mal. Tac. J'ai pas mal avancé sur le sujet. Je m'attaque aux chaussures maintenant pour amener notamment les sandales qui étaient en haut du placard et que du coup je pense pas à mettre parce que bah, elles sont en haut. Donc là j'ai sorti ces fameuses sandales qui sont un peu vieilles mais que j'adore de chez Bobby's, qui sont un peu comme des birks. Faut que je les nettoie et tout, mais elles sont très cool. Je vais remplacer ces magnifiques bottines que j'adore également de chez Bobby's et que je stocke toujours avec le papier et tout à l'intérieur pour éviter qu'elles s'abîment. Je retrouve des trucs que je mets absolument plus, genre ces sandales Asos. C'est tellement pas moi, le truc qui s'enroule autour de la jambe là. Ça dégage. Ensuite il y a les sandales pour les mariages. C'est pas au programme cette année. Reste honnêtement, c'est des sandales pour des mariages. Pas forcément la vibe de cette année. Donc tout ça, ça va rester ici. Bon, je pense que j'ai à peu près rangé tout ça. Il manque encore pas mal de choses qui sont à la machine à laver, évidemment. Mais j'ai déjà mis pas mal de trucs. J'ai rajouté les robes, les jupes, les shorts. J'ai fait du tri, j'ai enlevé les trucs qui me vont pas, les vêtements qui me servent ou du coup j'ai l'impression de me sentir pas bien dedans. Les trucs qui me culpabilisent, ça dégage. Idem, les trucs qui sont pas dans ma palette de couleurs, genre ce chemisier rose, ça part aussi sur Vinted. Les trucs avec des imprimés énormes qui sont plus du tout dans mon style, ça partira sur Vinted. Et je prépare les sacs pour les vêtements à donner, que je prépare également les sacs pour les vêtements à mettre sur Vinted. Et il faut également que j'aille ramener ce pantalon, d'ailleurs c'est ce que je vais faire peut-être ce soir, ce pantalon que j'ai acheté en solde chez Massimo Dutti, qui est un pantalon en lin qui est magnifique mais qui est trop large et trop court. Si c'est pas un grand oui, c'est un non, donc du coup ça repart au magasin. En voyant mon dressing et en l'ayant rangé, qui me manque quand même pas mal de truc un peu basique, donc ça nécessitera aussi une petite séance shopping. Pour ça, je mettrai tout ça dans ma wishlist. Je vous montrerai un jour sur ce que j'ai fait sur Notion, mais je manage mes envies sur une wishlist sur Notion pour tenir un peu une trace des choses que j'ai envie de m'acheter et que je m'achète pas, et voir un peu si dans le temps j'ai toujours envie de les acheter. J'ai un peu mis en place une espèce de mécanisme, de process, lorsque j'ai envie de m'acheter des choses pour acheter moins. Et surtout d'acheter mieux et d'acheter les choses qui me vont, qui sont pas tendance, qui sont dans ma palette, qui me font du bien, etc. Je vous en reparlerai, mais dans tous les cas, déjà on est pas mal niveau dressing. Du programme du jour, je vais faire une petite journée un petit peu reset de mon appartement et de ma personne. Je vais essayer de remettre un peu tout au carré. Je vais faire du coup du ménage. J'ai pas mal de choses à nettoyer ici dans la salle de bain, dans la cuisine notamment. J'ai lancé une machine, bref, le grand ménage du dimanche. Ce que je vais absolument faire aussi aujourd'hui, c'est prendre un petit moment pour faire ma manucure. C'est la cata, j'ai mes ongles qui se cassent, etc. Et j'ai remarqué en fait que quand je fais mon vernis semi-permanent, ça fait en fait une couche un peu épaisse sur mes ongles et ça les protège de la casse, j'arrive à les avoir beaucoup plus longs, donc je ferai ça aussi cet après-midi. Je vais faire un truc que j'adore faire, qui est hyper cliché, c'est que je vais mettre mon petit masque LED que j'aime trop. Alors regardez-moi ça, c'est trop drôle. Là tout de suite, faut pas croiser qui que ce soit, faut pas ouvrir au facteur. Mais c'est trop bien parce que j'ai une télécommande et donc je peux faire mon ménage en même temps que je fais ma séance de LED sur mon visage. Je vais le planifier sur 10 minutes. Voilà. Et pendant que je fais mon ménage, ça je le glisse dans la poche de ma robe de chambre. Et quand je fais mon ménage, je fais la séance de LED en même temps. Et je trouve ça absolument fantastique. Il faut juste que je ne croise absolument personne. Terminé. Je vais enfin pouvoir retrouver apparence à peu près humaine. Petit nettoyage ici aussi. Hop. Je nettoie au savon noir. J'ai réutilisé les packagings Belgique que j'adore et j'ai mis dedans du coup du savon noir pour le nettoyage des surfaces parce que c'est ce que j'utilise le plus souvent. Et dans celle-ci, j'ai mis du liquide vaisselle tout simplement.
et c'est très pratique, ça fait les choses plus jolies et j'ai plus qu'à les re-remplir. Ménage terminé, je suis en train d'essayer de chercher quelques produits. Je vais juste essayer de me donner à peu près une apparence humaine. Je vais mettre un peu d'anti-cerne, un tout petit peu de couleur sur mes joues, mes lèvres, peut-être recourber mes cils et voilà, je vais aller faire quelques courses. Peut-être sortir ensuite ce soir, boire un petit verre dehors. Donc je vais juste me maquiller très très légèrement. Là je mets un anti-cerne, ça c'est celui de chez Typologie. La teinte c'est la 22. Elle est peut-être légèrement un peu foncée pour moi, mais l'autre est trop claire que j'ai, donc je mets celle-ci. Non, en vrai ça va, elle est pas si foncée que ça. Je vais mettre également un petit peu de truc dans mes sourcils, parce que comme d'hab, ils sont super fins. Ça, c'est un gel de chez Benefit. De toute façon, vous aurez toutes les références en barre d'infos. Mais je l'aime bien celui-ci parce qu'il me permet un peu de fluffiser. Je prends mon miroir parce que j'y vois quand même pas grand-chose dans l'écran de la caméra. Un petit peu de blush. Comme blush, je vais mettre la touche fraîche. D'ailleurs, j'ai pas encore pris le temps d'en parler sérieusement. Mais comme je l'ai abordé en début de vidéo, je me pose beaucoup de questions pro et perso. Et j'adore cette marque et j'adore les produits qu'on a créés. Et aujourd'hui j'arrive à un stade où je connais aussi mes limites. Je sais que j'adore la dimension créative, j'adore le lien aussi que j'ai avec mes clientes, avec vous. Et du coup je cherche encore un peu ma place. Donc je suis en pleine période de questionnement sur comment recréer du lien, comment retrouver de la créativité. Et tout simplement aussi un côté plus personnel que j'ai beaucoup perdu avec le fait de faire que des produits. Et de plus avoir le temps de faire des contenus. Maintenant, je vais juste recourber mes cils. Tac. Le mascara, ça c'est celui de chez Benefit. J'en mets vraiment très très peu, juste pour allonger un petit peu et définir. Mais je veux pas que ça fasse un effet trop maquillé. Je vais mettre un peu de blush, parce que j'aime bien ça. J'aime bien quand il y en a beaucoup. D'ailleurs, j'avais pas fait de solde, vous m'aviez posé la question sur en MP Instagram. Mais ce qu'on va faire quand je posterai cette vidéo, c'est que j'aurai fait un code promo pour les produits Julie Label, spécifiquement pour les gens qui sont sur YouTube. Le code, ce sera YouTube, voilà. Et je sais pas encore ce que je vais faire avec, peut-être genre 15%. Donc voilà, 15% avec le code YouTube, je pense que je mettrai ça en place parce que j'ai... It was at this moment that she knew she fucked up. J'allais me faire les ongles et je me suis dit qu'avant ça, j'allais surtout me faire une petite recette pour le goûter cette semaine parce que pâtisser, ça me fait beaucoup de bien, j'adore ça et j'ai besoin aussi de petits goûters pendant la semaine parce qu'à partir de 15-16h, j'ai super faim et si je mange pas, j'ai tendance à être hyper ronchon. Donc il me faut toujours un petit encas et parfois j'ai tendance à me diriger sur des trucs pas hyper sains. Donc j'ai vu cette recette sur Insta que j'avais sauvegardée. Il y avait... des flocons d'avoine, des bananes, du chocolat noir, du beurre de cacahuète. Voilà la recette en question qui m'a convaincue. Ça a l'air trop bon. Assez facile à faire en plus, donc je vais tester ça. Bah non, c'est pas pour toi. Que mes petits cookies sont en train de cuire, je vais me faire les ongles. Je suis dans mon salon, donc désolée si c'est très sombre, on habite au rez-de-chaussée, on a un tout petit appart et j'ai pas 10 000 endroits où me mettre, donc je me mets là. J'espère que ça suffira en termes de luminosité, de toute façon on n'a pas le choix, j'habite pas dans un loft. J'ai enlevé mon vernis avec du dissolvant et je vais me faire mon petit semis. C'est le kit Green Flash Manucuriste que j'ai depuis franchement 1000 ans. J'ai deux lampes d'ailleurs, donc c'est trop cool parce que je peux faire mes deux mains en même temps. Et j'adore ce kit là parce que les vernis classiques, du coup, comme je vous disais, sont trop fins sur mes ongles, ils sont pas assez protecteurs. Et je ne fais pas de semis permanent en institut parce que ça m'abîme trop les ongles et ça me les affine trop. Donc je trouve que c'est l'entre-deux assez cool pour moi, mais chacun fait bien comme il veut. Il faut que je choisisse une couleur et c'est toujours la partie la plus compliquée. Parce que j'en ai beaucoup et que je les adore tous. Qu'est-ce que je vais faire? Voyons voir. Est-ce que je suis les couleurs qui sont dans ma palette? Et donc du coup je pars sur un truc un peu chaud, peut-être. Je vais peut-être tenter, ils sont pas hyper longs, mais je vais peut-être tenter un rouge un peu brique. Il est où?
le Indian machin. Indian Summer de manucuriste. Magnifique. Manucure terminée. Voici ce que ça donne. C'est un rouge du coup orangé. Si jamais vous avez la peau légèrement avec des sous-tons, on va dire chauds, si vous faites partie du groupe automne, c'est encore mieux. C'est un rouge tamisé, orangé. Il est magnifique. Je pense que je vais arrêter le vlog ici parce que la vidéo va être déjà assez longue comme ça. Je pense que c'était le premier vlog de mon existence d'ailleurs. J'espère qu'il vous a plu. Merci si jamais vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est un miracle. Vous m'avez manqué et j'espère que je vais rester dans ma bonne lancée. Et continuez à vous faire des petites vidéos comme ça si jamais ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à très vite, j'espère.